Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 2. Évidemment, nous en sommes à l'épisode 4, toujours avec notre chère et tendre Claire Redfield. Quel bonheur, on va se retrouver une demi-heure ensemble. N'oubliez pas de prendre de quoi boire, de quoi manger aussi, pourquoi pas. Et c'est parti, on va se procurer un maximum de plaisir et direction cet escalier. Non pas cet escalier, non c'est une erreur. Direction, bougez pas, je me suis totalement perdu dans cette histoire. L'escalier de secours me semble-t-il. Yes, c'est totalement l'escalier de secours. Direction l'escalier de secours. Et on y va, on va prendre une grande aspiration. Parce que bah là, on a croisé les Lickers. Les Lickers ne sont pas très gentils. J'ai qu'un pistolet, il n'y a pas de fusil à pompe avec Claire. Et un pistolet et des munitions incendiaires. J'ai pas de Uzi, pas encore en tout cas, on l'a vu, mais... Mais pour l'instant, ce ne serait qu'un rêve que d'essayer de l'approcher parce qu'il est verrouillé par une clé USB, évidemment. Donc, c'est un petit peu terrible, mais c'est pas grave. On garde la foi, les gars. On garde la force et on y va. C'est vrai que je cours un peu vite, là. Hein. J'ai peut-être un peu trop confiance en moi. On y va en portable parce que, franchement, on doit le faire. On doit le faire. C'est pas ici. C'est possible que ce soit pas ici. C'est ridicule. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, trop bien, hop. Voilà. Bon, c'était pas cet escalier. Mais une petite erreur, ça arrive les gars. Ah. Non, 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 je vais pas là-haut. J'ai 4 balles les gars. Et je sais que là-haut, il y a quelqu'un de pas très sympa. Donc, c'est mort. Il y a un mec, le mec en feu qui m'avait fait flipper ma race. Donc, c'est hors de question. Non, 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 il est où cet escalier d'où Jésus? Aucun putain de souvenir. Mais si, si, j'ai un putain de souvenir. C'est terrible. C'est terrible ici. Mais je reviens au même endroit. Alors, Claire, qu'est-ce qui va pas? T'es désorienté, c'est incroyable. Bon, j'espère que ça vous fait plaisir. Putain de merde. De revoir Resident Evil 2. Moi, en tout cas, je suis hyper heureux, les gars. Vraiment, replonger dedans. Même si pour l'instant, c'est du vu, c'est du déjà vu. C'est, je kiffe, en fait. Juste, je prends un max de plaisir, en fait. Donc, clairement, j'espère que le plaisir est partagé. Aussi de votre côté, évidemment. C'est parti, j'ai retrouvé mon chemin, vous inquiétez pas. Ouais, j'ai dû combler. Ah, mais ça, c'est la technique de l'animateur. Tu dois, t'es obligé de combler, tu vois. Sinon, c'est la merde. T'es obligé de combler quand tu fais des bêtises. Hop, on va par où? Eh ben, pas du tout. C'était derrière. Là où il y avait des Lickers. Et d'ailleurs, il y en aura encore un en haut. Mais on aura le troisième médaillon. Ça... Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ok, c'était au troisième étage. Direction la mort. Qu'est-ce qu'on a là? Buanderie, j'y suis pas allé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis débile. Suis-je fou? Pourquoi j'y suis pas allé à la buanderie? J'ai déraillé? Pourtant, il n'y a pas écrit porte verrouillée. C'est blanc, c'est-à-dire que j'ai pas essayé. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour ne pas y aller? Oh putain, le Lickers sur le cadavre. Le pire, c'est qu'il va rester là tout le monde de l'aventure. Et ça, c'est terrible. Pourquoi? Pourquoi? Ben ouais, elle est là. La... Ah bah oui. Bah oui. Voilà. Et là, normalement, voilà. C'est bon. Au moins, je sais que c'est la clé de carreau. On y va. On repart en arrière. Et direction la détonation pour récupérer le troisième médaillon. Qui va nous permettre... Hop. Je récupère très vite ce lance-roi. Hein. Petit lance-roi des familles. Qui va nous permettre d'aller dans les égouts. Non mais j'ai pas de balle en plus. Oh. Aucune issue. Aucune issue faisable. Je vois pas comment je vais m'en sortir. J'ai zéro fucking balle les gars. Et j'ai un Lickers qui m'attend. Ok, il était par ici. J'ai essayé de pas bouger hein, quand le Lickers s'y est tombé. Hein. Mais je crois que c'est obligé qu'il t'attaque la première fois que tu le croises. Ok. C'était par là. Bonjour. C'était par ici. J'ai rien oublié. Ok. Bonjour monsieur. Ok. Bon. Priez pour moi. Et on y croit. Allez. Ok. Allez mon pote.
Allez, ça va. What? What, what, what? Ok. Y'a pas de balle? Non, non, c'est pas possible. Donc sa mère, on joue l'esquive. Non, mais c'est pas... Y'a pas de balle. Y'a pas de balle. Y'a pas de balle. Ok, première mission, non. Vertu des plantes, c'était plus haut. Voilà, c'était le premier truc qu'on trouve. Ok. Je crois que c'est la demoiselle. Tête, arc, serpent. Tête. Non. Tête. Arc. Bah ouais, mais les gars, putain, quelle idée de rouiller le bordel. Attends, c'est ça? C'est totalement ça. Bah Dieu. Ok. Ok. On s'en est. Ok, on se casse. On s'en est sorti, c'est terrible. C'est terrible. Mon cœur, j'ai une montée de tension là, les gars. Waouh. Ok, bon. Attends, attends, quoi? Quoi, quoi, quoi? J'ai réussi à louper quelque chose ici, c'est terrible. Ok, ça c'est fait. Oh non. Oh non, il y a l'autre débile. Allez, ferme-moi. Ok, ça c'est fait. Très bien, très bien, très bien. Ah! Ok. Oh, là, ça casse, je le savais. Pas de soucis. On va pas simuler la peur, hein, évidemment. Ok. Très, très bien. Bon! Ah, on est bien ici, dis donc! Dans le hall! Tant qu'il n'y a pas Mister X, évidemment. Ok, on va pouvoir save. On est bien. On est vraiment bien. J'ai plus de code, j'ai plus rien. Marvin est en train de canner, les gars. Il a deux doigts de claquer le bordel. On va pouvoir aller dans les égouts. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Je comprends pas, là. Hein. J'ai pas de balles, en vrai. Genre... Allô, le monde, est-ce que tout va bien? Genre, j'ai pas de balles. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est donc ça, ma vie? Ok. Hop, ça on prend, ça on prend. Bon, par contre, en vrai, j'avoue que j'ai de la poudre noire. Là, c'est mon petit côté un peu requin. Combinez la poudre noire pour créer des grenades d'acide. Combinez-en deux pour des grenades de pistolet mitrailleur. Très bien. Bon, on va garder ça. On combine avec ça. Plutôt pas trop mal. Il me faut des balles, hein, les gars. Vous savez très bien ce qui m'attend. Et on est bon. On va le mettre en place. On va save. Et direction les égouts. On va voir un petit peu ce qui va se passer. On sait, hein, ce qui va se passer. Mais on va prendre notre part. Alors, hop, ça, c'est fait. Voilà, première sécurité. C'est bon. Ça, c'est fait. Ouais, regarde. Deuxième sécurité. C'est bon. On va refaire un tour, hein, encore, hein, évidemment. On va refaire un petit tour, hein. Troisième sécurité. Bon, les gars, ça, je vais dire, un moment. Ah, c'est fait. N'oubliez pas qu'une fois qu'on a franchi cette porte, c'est terminé, hein. Il n'y a plus d'issue possible. Ça va, Marvin? Okay. Faut pas traîner. Ouais, bah ouais, je sais bien qu'il faut pas traîner, mais là, je traîne pas trop, hein. C'est pas comme si c'était une partie de plaisir à l'heure actuelle. On va vite fait faire par étage. On va save tout de suite. Voilà. On va refaire un dernier tour, parce que là, on va passer un peu de temps dans ces égouts-là. Et on y reviendra d'ailleurs plus tard. Qui mène ensuite au... Oh oui, putain, c'est l'enfer. Je repense déjà à tout l'enfer qu'on a à vivre. Bon, tout ça, c'est fait. Nous n'avons plus rien à faire. Ensuite, salle des casiers. Très bien, il me faut la dernière touche, je ne l'ai pas. Évier, pardon. Coffre à jouer.
Ah, l'évier, c'est pour... ok. Donc tout ça, c'est fait, on s'en fout. Bureau ouest. Là, on a tout fait. Premier étage, enfin, rez-de-chaussée, pardon, clean. Premier étage, bureau des stores, PC, MK11, voilà. On a besoin d'un cric ici. Donc on a fait toutes les portes. Ici, on a un trou de manivelle, chose qu'on n'a pas. On a un coffre, chose qu'on n'a pas. Deuxième étage, c'est fait. Ici, c'est l'hélico, hein. On soit bien d'accord, c'est pour ça que je suis pas allé au bout. Deuxième étage, c'est fait. Troisième étage, nous avons un cadenas, donc j'ai toujours pas le code. Et en dehors de ça, après, c'est la tour de l'horloge, j'ai rien. Ok, on est bon. Les gars, on va pouvoir y aller. Bonne chance, et on va voir un peu ce que ça va donner. Allez, Marvin, régale-moi, mon frérot. Porte-moi chance un peu, là. Bouge-toi. Pas vrai. Marvin, tu me fais chier, là. On dirait que ça mène au sous-sol. Super, on va pouvoir sortir d'ici. Hey, Marvin, c'est bon, il y a bien une issue. Marvin, debout, on fiche le camp d'ici. Allez. Est-ce que ça va? Non, je... Vas-y, sauve ta peau. Qu'est-ce que vous racontez? Il faut vous emmener à l'hôpital. T'en prie, Claire. On sait tous les deux comment ça va se finir. Il faut que tu quittes la ville. Je peux pas vous laisser ici. Claire, s'il te plaît, va-t'en. Fais ça pour moi. D'accord. Marvin. Merci. Cette Claire. Incroyable. Hop, on est mort. On est mort. Paraît bien compliqué ce qui va se passer. Je suis sûr que le bordel, il va nous forcer à tout utiliser, ça va être terrible. Ça, on prend, très clairement. Ok. Ça sert à rien, j'ai rien. Ça, on prend, très clairement. Là, on a de quoi save. Et pourquoi pas, en vrai, réutiliser... Je sais pas. Mon cœur vacille. Boum, ça, on récupère. On va essayer de faire 100. Voilà, regardez. On va même poser ça là. On va essayer de faire 100, calmement. Voir un petit peu ce que ça donne. Pour le boss qui arrive. Peut-être save, hein. Hop. Bougez pas. Il n'y a jamais de save en trop, comme on dit. Hein. Il n'y a jamais de save en trop. C'est la 5e save. C'est plutôt pas mal. On est au 4e épisode. Donc ça va, en vrai. On se porte bien, là. On se porte bien. Allez, c'est parti. Fais-moi rêver, hein, Claire. Hein. Fais-moi rêver. Je veux du bonheur en barre. Voilà. Bon. Appuyez sur R1. Je pense qu'on va le mettre en feu. On va le mettre un peu d'acide. On va le chicoter un peu. Tu vois, on va le régaler, le frérot. Ok. On va passer par ici. Normalement, il n'y a rien. Je dis bien normalement. Voilà. Là, c'est l'issue. Mais on peut encore descendre. V quelque chose en bas. Je crois que c'était une grenade, non? Je sais plus du tout. Je ne sais plus. Et dans cette histoire, on ne va pas rencontrer Ada. Hein. Là, on l'a toujours pas rencontré, on n'est pas prêt de la rencontrer. Ah, il y a quelque chose ici. Hop. Toujours la petite grenade des familles au même endroit. Petite grenade qui fait plaise. Ok. Oh, qu'est-ce qu'on a là encore? Ok. Voilà, je l'ai équipé. J'analyse une dernière fois la pièce. C'est bon. On peut partir. Attends. Je vais faire genre quand même. Au moins, ça sera écrit sur la map. Voilà, ça c'est pourquoi on sera dans les égouts. Donc oui, on va pas croiser Ada. On va croiser quelqu'un d'autre. Mais ça, vous verrez évidemment un petit peu plus tard. En attendant, c'est parti. Ok. Hey, y a quelqu'un? Non. Juste un petit rat. Bien sûr, Claire, qu'il y a quelqu'un. Mais on va s'en occuper, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il est pour nous. On va le graille. Ce petit bâtard. On a quoi là par ici? On a que dalle. Ça c'est terrible. Ça c'est terrible. C'est parti! C'est parti! Claire! Fais-moi rêver! Allez!
Ça bouge pas. Oh. Qui est là ? Hé ! T'en fais pas. Je te veux pas de mal. Tu veux que je t'aide ? Viens, attrape ma main. Tu... sois... tête. Désolée, j'ai pas compris. Tu as besoin d'aide. Pourquoi ? Il est juste derrière toi. Quoi ? Oh mon Dieu ! Par contre, c'est bon, ça commence à changer. Oh, ah, mon pote. Vas-y. Hop, un petit peu d'acide. Ça brûle. Voilà, ça fait mal ou pas, mon pote? Ok, dis-moi un peu ce que t'en penses. Ok, je rigole, frère. Dis-moi pas, je sais ce que t'en penses. C'est pas ouf, je suis d'accord. Ok, ça en prend. Oh. Ok. Ok, t'es où mon frérot? T'es où mon sauce? What? Depuis quand tu fais ça, gros? Ok. Ça, je prends. Ah ! Oh, c'est quoi ça ? Aïe ! Mais non, c'est un coup gratuit ! Oh, what ? Ça brûle ? C'est cadeau, hein ? Ok ? La vache. Oh. Mon gars sûr. Ok, c'est pas mal ça. Oh putain, tu cours très vite. Why? Tu cours trop vite. Oh putain. Ça va, gros? Moi, ça va, hein. Je rigole. Ok. C'est bon, je rigole, tranquille. Ok. Oh, putain de merde, il est chaud. J'ai beau l'avoir déjà fait une fois. Mais quoi? Ralenti. Oh, t'as fait une pécho. Désolé, je suis une femme prise. Aïe! Par Mister B-Boy! Non, je rigole. Oh putain, tu vois la patate qui arrive dans mes chipos? Non! Hop! Eh, t'es prêt? Ça, c'est cadeau, mon pote. Hein. C'est cadeau. Gros, t'es trop chaud, toi! Beaucoup trop chaud! Ok. Eh, viens, mon gars. C'est bon. Oh, la vache, non. C'est bon, je rigole, frère. C'est bon, mon gars. Oh, on a géré. Oh merde. Oh mon Dieu.
petite? Tu peux venir. C'est terminé. Tu es sûre? Oui, c'est promis. Tout va bien. Est-ce que tu pourrais abaisser cette échelle pour moi? Tu m'aideras à retrouver ma maman? Ta mère est ici? Je crois, oui. J'espère. Oui. Bien sûr. Je vais t'aider. Tu te sens tellement moins frais. Sans fusil à pompe, c'est un truc de ouf en vrai. Hein. Ah, c'est terrible. Hein. Là, on avait quelque chose. Bah voilà, c'était une grenade. Putain, il m'a empêché de le prendre, le con. Là, on a quelque chose. Ah, voilà, c'est une plante. Putain, il m'a empêché de le prendre, le con. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on n'a rien. Et personne ne m'a rien empêché. Très bien, on va refaire un petit tour. Regardez, 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 regardez. C'est vrai qu'ici, je ne suis pas allé. Incroyable. Hop, des balles de pistolet. Hop, une herbe rose. Combiner des objets. Vraiment, tu m'apprends à combiner, frérot? Frérot, on était quoi, là? Peut-être qu'on était des low level ou quoi, là, frérot? Très bien, là, on n'a rien. On va pouvoir continuer. Bon, un dernier tour, quand même, et puis sans bon. Mine de rien, on a économisé un épisode complet, les gars. Ah, bah oui, parce que épisode 4, j'ai souvenir que j'avais fait un long tour du commissariat. Bah, pour pas grand-chose, finalement. On avait perdu peut-être 15 minutes. Et résultat, on avait fait le boss à l'épisode 5 et on l'avait recommencé, chose qu'on n'a pas fait à ce moment. Ça fait que bah, on a gagné déjà un épisode. C'est plutôt pas mal. Attends, hors de question que je te suive, hein, ma soeur. Là, je me régale avant. Hein. C'est amplement mérité. Très bien, là on n'a rien. Et là on a rien. Si, voilà, c'est beau ça. Allez, vas-y ma grande. Mets-moi au sommet. Attends, on va se suivre longtemps. Putain, c'est trop bien. C'est trop frais en vrai. Hop, on a quelque chose ici. Eh ben, ça bouge pas. T'as essayé avec un peu de force là? Voilà, regarde. Voilà, tu vois quand on fait des efforts. T'as réussi. Ah ouais, bah ouais, mais bon, mets ton poids un peu là-dedans. Ok. Alors, comment est ta maman? Elle bon. Travaille à Umbrella. Elle fabrique un nouveau Umbrella. Umbrella? Cette grande société pharmaceutique? Ma maman travaille beaucoup. Je la vois pas souvent. Oh, avec un peu de chance, tu la reverras bientôt. Ouais, attention quand même. Hein. Et où est ton papa? Il travaillait avec ma mère, mais il est parti. Oh! Oh, la sacoche! La sacoche du bonheur! La sacoche qui fait plaisir! Qu'est-ce qu'on a là? Ça, on dépose. Ça, en vrai, on peut déposer. Et ça, on dépose. On est plutôt pas trop mal. Très bien. Bon, on peut mettre ça ici. On peut mettre ça aussi ici. On a toujours un cale-porte, si je puis me permettre. Ça, on peut le déposer. On peut continuer. Moi, mes deux parents sont partis. Je n'ai plus que mon frère. Oh, mais non, Claire. Oh, je suis désolée. Pas de soucis. Et ça nous fait quelque chose en commun. Oh, elle est tellement mignonne, cette Claire. C'est une bonne chose, non? Viens. Allez. Attends. Calme-toi, petite. S'il y a des chiens et que j'ai pas le pompe... C'est fermé. Je suis pas serein, mon pote. Non, je suis pas serein du tout, hein. Ok. Aïe, aïe, aïe. Je ne suis pas serein. Mince. Il nous faut la carte. Allez. Hé, aide-moi.
sûr que c'est par là? On est déjà passé par là avec maman. Chérie? Je t'ai cherché partout, chérie. C'était courageux de sortir de ta maison au milieu de tout ce bazar. À terre, les mains derrière la tête. Attendez, c'est une blague? À terre, j'ai dit! Vite! Chérie, attache tes mains. Pourquoi vous faites ça? Ferme. Ligote-la. Très bien. Tu la ligotes tout de suite, ou alors elle crève. C'est quoi ces conneries? Mise en danger d'enfant pour commencer. Chérie, viens ici. Qu'allez-vous lui faire? Toi, ça te regarde pas. Mon frère est dans le Stars. Si tu la touches, je te jure que... Chérie, viens ici. C'est quoi ton nom? Dis-moi ton putain de nom. Claire! Chérie, tu viens avec moi maintenant, ou tu peux dire adieu à Claire. Ok, ok, j'arrive. J'espère que vous m'emmenez voir ma mère. C'est promis. Ne l'écoute pas, c'est une ordure. Ne lui faites pas de mal, par pitié! J'ai pas d'ordre à recevoir d'une gamine! Arrêtez! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Personne t'a enseigné les bonnes manières, on va y remédier. Ah, tu vas voir. Lâchez-moi! Lâchez-moi! T'aurais! Enfoiré! Bon, chérie. Ok. Bon, bon débarras. La gamine, c'était peut-être pas le moment de l'avoir un peu dans les pattes. Très okay. Bien. D'abord, la carte d'accès. Et ensuite, je vais faire payer cet enfoiré. Voilà, Claire, putain. Là, tu me fais kiffer. What? C'est déjà ouvert. Attendez. Hein. Ce type a dû venir de là. Damn. Ça met nous? Ascenseur express vers le bureau du chef. Ok. Ah, très bien. Donc, il y a un ascenseur vers le bureau. Et qu'est-ce qu'on a là? Plan du commissariat B1. Mais alors, où il peut mener? Parce que là, tu vois, si je me mets dessus... Très bien, on verra plus tard. On verra plus tard. Mensuel de Raccoon City. Juin. À l'attention des héros de Raccoon City. Qui est l'homme le plus craint et le plus respecté de la ville? La réponse est évidente pour tout habitant de notre belle ville. C'est ça, le chef de la police, Brian Irons. La terreur des criminels et le père strict, mais magnanime, qui aime tous ses citoyens en dépit de leurs péchés. Le chef Irons est célèbre pour son implication dans des œuvres caritatives, notamment ses dons conséquents à l'orphelinat, à la protection des femmes battues, à la préservation de l'art, à la protection animale, entre autres. Quand donc dort notre héros? Il a répondu à cette question en ces termes. La ville est ma famille, il est normal que j'en prenne soin. Ah, c'est le chef de la police, ce bâtard! C'est le chef de la police, ce bâtard! Regardez sa petite tête, là! Enfoiré! Très bien. Ce salaud est le chef de la police? Damn! Très très bien. Ok, bon, on a un léger problème, la porte là-haut est totalement verrouillée, je ne sais pas si on pourra rentrer dedans un jour, quoique si, normalement, ça devrait le faire. On va voir ce dont on a besoin pour la déverrouiller, ce serait plutôt pas trop mal. Ok, très bien, c'est cuit, hein. C'est cuit, c'est comme le riz les gars, comme disait oncle Benz, un bon riz c'est cuit en 3 minutes, et c'est toujours un succès évidemment. On y va, on va passer cette jolie porte, et on va... s'arrêter là. Quoi qu'il arrive, j'espère que cet épisode vous a plu. Comment je vais faire avec les chiens sans pompe? Oh là là! Comment je vais faire avec les chiens sans pompe? N'oubliez pas de j'aime et le commentaire. Portez-vous bien. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.